nothing wrong with being here now. Rue Saint-Laurent en ce jeudi soir au Salon Vert avec Sébastien Lefebvre. Bonjour. Rebonjour, ça va bien? Ça va super bien. Bravo pour ce fabuleux spectacle que tu as offert ce soir. Petit show acoustique pour tes fans. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. C'est gentil. Il est tellement, tellement gentil puis il est tellement bon à maison avec son Sébastien Lefebvre band. Et il est tellement généreux, extraordinaire, beau. Oui. Il est tellement hot. Shine un peu, là. Parle-moi de ton Sébastien Lefebvre band. Vous êtes comme... Hey, c'est beaucoup hein, sur scène? Ben en fait, le Sébastien Lefebvre band, à la base, c'est une personne. C'est Sébastien Lefebvre. Composé de toi-même? De moi-même. J'ai fait un album, j'ai joué tous les instruments, tout ça. Puis là, quand est venu le temps de faire des spectacles, monter sur scène, il n'était pas question que je monte sur scène tout seul. Pourquoi? Je sais pas. Je suis comme habitué d'avoir du monde. C'est pour être confortable. Et puis, j'ai demandé à mon ami Frenchie, Patrick, qui est un batteur. Là. Il est venu faire les percussions avec moi juste pour rentrer. Très bon. Très bon à l'œuf aussi, hein? L'œuf, comme j'ai jamais vu avant. On a essayé de jouer de l'orange. On a essayé de jouer de la poire. C'était moyen, mais de l'œuf, fantastique. Le serpent à sonnette. Pourquoi avoir décidé de faire cette mini-tournée? Est-ce qu'il y avait une demande de la part de tes fans? Bien, c'est ça. C'est juste pour les fans, dans le fond. C'est un petit cadeau. C'était sur le web. Alors, les gens s'inscrivaient, puis on choisissait toi. Les gens gagnaient comme ça. Puis c'est vraiment unique. Je sais pas quand je vais refaire des spectacles. C'est vraiment pas dans les plans. Alors, c'est ça. C'est vraiment juste c'est un petit privilège. Est-ce que c'est dans les plans de refaire un autre album, par exemple, ou de retravailler à nouveau en solo, comme ça? Ah, c'est certain. Ben moi, j'écris constamment. Alors, j'adore écrire. Fait que, en ce moment, on est en période d'écriture avec le groupe. Fait que t'écris une chanson, mais une chanson, ça va un petit peu où est-ce que ça veut. Fait que des fois, t'écris, puis c'est comme, OK, gros rock, les guitares, là, tu le vois dans ta tête, c'est parfait, parfait. Fait que là, tu te montes un démo, là, on s'envoie ça entre nous, puis on en parle, puis là, on met ça sur album. Et puis, des fois, ça n'a rien à voir. C'est des types de mélodies différentes, puis c'est bon acoustique. Mais c'est celle-là que je garde, dans le fond, qui se retrouve sur... Parce que c'est assez smooth, là, Sébastien Lefebvre, quand même. Là, on est dans le Jason Mraz, je dirais, un peu Jack Johnson, un peu Damien Rice. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Oui, il faut prendre une drôle de voix. Oui, c'est vraiment la musique que j'aime beaucoup. C'est Bob Dylan, Johnny Cash aussi, pour ajouter dans ces noms-là. Et puis, quand est venu le temps de faire un album pour moi, je me suis dit, je vais prendre ce style-là, j'aime ça. Avec Simple Plan, bien sûr, il faut en parler. Oui. Période d'écriture, c'est ce qui s'en... Je veux dire, un album qui s'en vient, une tournée de spectacle. On commence par faire un album avant les spectacles. Donc, tôt l'année prochaine, on veut être en studio. Janvier, février, mars, le studio, faire la nouvelle chanson, enregistrer tout ça. Pour que ça sorte au courant de l'été, que ce soit au début, que ce soit à la fin. On veut sortir ça l'année prochaine, c'est certain. Alors, l'automne prochain, il va y avoir des spectacles de Simple Plan un peu n'importe où. Alors, il faut rester à l'écoute. Alors, je te souhaite le mot de cambronne dans tous tes projets. Ça a été un plaisir de te rencontrer à nouveau. Bien, merci beaucoup, toi aussi. Beaucoup de plaisir aussi avec les membres de Simple Plan. Merci d'avoir été là. Et merci à toi, Sébastien Lefebvre Band. Merci à toi.